Et ben, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, mais super bien. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais vous montrer ma ville, mon village plutôt, ouais, même mon centre-ville. Parce que, voilà, c'est plus un centre-ville que autre chose. Et du coup, bah voilà. Alors, ça c'est très chiant en fait, tu vois, les trucs qui se mettent là-dedans et voilà, ils peuvent pas avancer. Du coup, tu peux les buter facilement. Et ensuite, ça le pousse là où tu veux pas et enfin bref, c'est un beau bordel. Du coup, voilà, donc c'est la nuit qui arrive là. Voilà, je vais pas utiliser une potion de vision nocturne, je vais pas l'utiliser souvent de toute façon dans Minecraft créatif. Créatif, je le dis au cas où parce qu'il y en a, ils connaissent pas Minecraft. Non, voilà, donc je suis dans créatif. J'espère que non. Non, non, rien, non, rien. J'ai cru qu'il y avait un animal. Ouais, voilà. Il était là-bas. Je sais pas, ça aurait pu être une licorne. Mais non, en fait, c'est. Ah putain, mais. Ah, voilà. Bon, là, bon, vous connaissez les bails. Et là, c'est la chambre d'amis. Et de l'autre côté, la chambre. Donc là, il y a un toit où il y a plusieurs coffres. Hein, voilà. Et comment ça s'appelle? Bon, un truc d'enchantement. Voilà, c'est un petit peu de la merde, en fait. Voilà. Donc voilà. On va sortir. Si j'arrive à sortir, parce que des fois. Parce qu'avant, quand j'ai débuté ma ville, j'arrivais pas à passer les portes. Hein. Oh ya ya. Oh ya. Et poteau. Est-ce que tu t'es échappé de mon enclos? Parce qu'avant, il y avait des moutons. Hein. Mais sauf que, bon, les moutons, pour vous dire que. Non. Pour vous dire que les moutons, bah, ils sont tous morts. Et il y a un mouton. Illuminati qui allait dans un truc que je vais montrer très bientôt, mais du genre c'était un Illuminati, je pense c'était un Illuminati, il a fait tiens je vais aller dans ce truc là. Non mais vraiment, ça se fait pas, du genre il s'est introduit dans un endroit personnel. Je veux voir un avocat. Non. Alors, donc, ici, grande salle aux chambres, hein, voilà, avec quatre petits lits. Voilà, ça fait un quadruple lit, hein, voilà. On a vu les doubles, même, on a vu les doubles, maintenant, on a vu les triples et les quadruples, voilà. Voilà. Bon, là, c'est les coffres poubelles, on va dire. Tout ce que il sert à rien, bah, je le mets là. Et vous dites dans quelle maison je dois habiter? Enfin, quelle est la plus jolie? Donc, là où je vais habiter dans les commentaires, ça serait très sympathique, fort sympathique. Voilà, je vais essayer de passer cette porte, hein, parce que voilà, on n'a pas que ça à foutre. Donc là, comme c'est une mini-île, on va dire, je sais plus comment ça s'appelle, les îles qui sont quasi collées là. Je crois que ça n'a pas de nom. Je sais plus. Voilà. Et du coup, bah voilà, j'ai fait juste un chariot qui relie là à là. C'est un peu de la merde. Donc, il y a une pièce. Donc, bon, là, c'est normal. C'est juste que c'est un différent style. Hein, pour vous dire qu'il y a les coffres poubelles, il y a la chambre d'amis et la chambre normale. Pourquoi j'ai fait des chambres d'amis? C'est pas à moi de demander. Hein, voilà. Voilà, donc je vais pas forcément vous montrer. Hein, voilà, c'est pas intéressant. Et du coup, on va continuer. Voilà. Donc bon, après là, c'est une maison que je suis en train de créer. Donc voilà, mais vous verrez. Mais je pense que je vais donner une fonction. Ça va pas être une maison du genre hyper banale, tu vois. Ça va être du genre, ça va être autre chose. Voilà. Donc là, bon, là c'est une pièce où il y a des droppers. Hein, voilà, comme voilà. Je sais même pas si je m'en vais servir. Et du coup, on a un élevage de poules et de moutons. Hein, voilà. Là, avant, il y avait les moutons. Et
Tout à l'heure, ou ce matin, je m'en souviens plus. Non, c'était tout à l'heure. Il y avait un cochon. Et non, un cochon. Je vois les cochons, donc je dis cochon. Non, il y avait un mouton et une vache Illuminati. Du genre, ils ont réussi à entrer dans le clos. Soit ils ont spawné comme ça, soit ils sont des Illuminati. J'ai tué des Illuminati. Voilà, et là, ça va être l'endroit, le bâtiment, la XX Company. Voilà. Il y a plein de fours, c'est normal, parce qu'il va y avoir une production de diamants MDR. Voilà, et ensuite, quand la ville sera vraiment mais immense, ça sera bien étendu et tout, et tout, et tout, bon, ça va être généralement dans l'épisode 50, qu'elle sera déjà plus étendue. Ouais. Mais j'essaie de pas faire toujours plusieurs maisons en même temps. J'essaie de faire une maison en particulier, la finir et ensuite faire une autre. Donc ça risque d'être encore plus long que prévu, mais bon. Et ouais. Et ouais. Et je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour quasiment. Voilà, là je me suis amusé avec la TNT. Hein. Clairement, voilà. En même temps, voilà, je suis pas un toglet sur Minecraft. Je suis plutôt un. Mais frites, 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 je te mange, je te mange. Non mais en vrai, fait du Doki Doki Literature Club. Donc c'est un jeu où tu vois ça, c'est un peu déconseillé, on va dire. Pour les, je sais pas trop combien, mais apparemment c'est déconseillé. Mais du genre ça c'est un vieux truc, tu vois. Il y a frites qui le fait, mais avant il y avait comment il s'appelle? Ah, je sais pas comment il s'appelle. Bah, il y avait d'autres youtubeurs qui faisaient ça. Et maintenant, je trouve que c'est un peu démodé, qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui font ça. Bah, j'ai vu aucun youtubeur faire ça. Sora, il a déjà terminé depuis fort, 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 fort longtemps. Non, c'est juste un nom. Voilà, je vous ai dit, j'ai essayé de faire le toglife, mais en fait, je pars en freestyle. Donc, voilà. Voilà. Bah du coup voilà. C'est un peu démodé Doki Literature, voilà. Bah, du coup il y a un personnage qui s'appelle Yuri. Voilà, c'était la minute, l'instant, on va dire. L'instant Doki Doki Literature Club. Maintenant nous allons passer à autre chose, parce que c'est la fin de la vidéo. Pire outro de la vie, hein, voilà. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Donc vous dites quelle est la maison la plus jolie. Moi perso, je sais pas encore. Hein, voilà, j'hésite, hein, mais bon. Donc voilà, et bah je vous dis à très vite. Ciao.